Ah, voilà une surprise comme Planet Rock aime à vous en réserver. En effet, quand ils ont su qu'on montait un sujet à partir des images de Patrick Le Guen qui avait été tourné au Pérou avec eux, eh bien, les Indochines ont demandé s'ils pouvaient venir en parler avec nous. Et bien sûr, c'est une émission d'actualité, on est là pour en parler. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec Indochine? Quand est-ce que vous avez découvert que vous étiez des superstars au Pérou? On a découvert ça vraiment le moment quand on a mis le pied sur le sol du Pérou, quoi. Enfin, on nous a dit, ouais, il y a... Mais tous les groupes français vont pas au Pérou faire mettre le pied sur le sol. Ouais, non, on nous a dit, on avait vendu des 10, 150 000 disques et tout là-bas. Et puis, mais on s'attendait pas du tout à que ça soit aussi populaire, quoi. Et effectivement, on a débarqué là-bas. Et bon, mis à part que c'est un état de siège, etc. Mais enfin, c'est quand même le pays le plus cool d'Amérique latine par rapport à tout ce qui se passe ailleurs. On s'est retrouvé bloqué à l'hôtel sans pouvoir sortir dans Lima et avec toute la population. Mais ça se passait déjà en Suède, il y avait déjà des scènes de folie totale, il y avait beaucoup de jeunes filles qui vous couraient. Ouais, mais là c'était plus que ça, c'était toute la population, quoi. Je sais pas si on est plus connu que le pape, quoi, avec toutes les proportions qu'on doit dire. C'était hallucinant, effectivement. Et la seule fois où je me suis baladé dans Lima, c'était à 6h du matin et encore... Alors donc ça, c'était un peu pénible avec des gardes. Ça, c'est les unes de journaux, on vous voit, c'est carrément... Apparemment, vous faites la une de toute la presse là-bas. Qu'est-ce qui... Ouais, mais c'est pendant 15 jours, ouais, toute la une, ouais. Pendant 15 jours, ça a été l'événement. Enfin, ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a aucun groupe, ni rock anglo-saxon, et pourtant le rock anglo-saxon marche en Amérique latine, qui a osé foutre les pieds là-bas. Mais pourquoi? Parce que déjà, il n'y a pas de thunes à prendre. Parce que c'est vrai que c'est un pays où la crise économique est hyper dure. Et puis en plus, c'est vrai que c'est assez tendu, quoi. C'est une ambiance tendue. C'est-à-dire que tu fais quand même des concerts avec 4 militaires avec des kalachnikovs pointés sur toi. Et tu sais pas si ce qui. Enfin, je veux dire, il peut peut-être leur prendre un moment. Enfin, ça s'est passé cool, quoi. Il aurait eu un moment où. Il aurait très bien pu se passer autre chose et les Pérouviens ont été hyper cool, quoi. Ça a été, C'est hallucinant, cette histoire. Combien coûtait le billet là-bas alors? Le billet coûtait 2 dollars. Le billet de concert coûtait 2 dollars. Nous, on s'est battu, ils voulaient les foutre à 6 dollars. Et 2 dollars là-bas, ça représente une semaine de travail pour un travailleur moyen, quoi. Donc nous, on s'est battu pour qu'ils soient à 2 dollars. C'était les concerts les moins chers du tout. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est cette espèce d'uniformisation de la jeunesse mondiale. Quand on voit les jeunes péruviens, alors ils ont les mêmes habits que les filles qu'on va voir tout à l'heure aux portes de AA. Ça, c'est les émissions de rock qui font ça. C'est parce qu'ils captent aussi bien le MTV aussi là-bas, etc., quoi. Mais ce qui est important, c'est d'y aller, quoi. Parce qu'il ne faut pas avoir peur du Pérou, ni de l'Amérique latine. Est-ce que vous avez senti que pour d'autres groupes français, il y avait un créneau possible? Est-ce qu'ils connaissent d'autres Français au Pérou? Nous, quand on a ouvert la radio là-bas le premier jour, on a entendu Bijoux, OK Carole. Bijoux, OK Carole, ouais. Oh, c'est incroyable. Et puis on a entendu le disque d'Aubert aussi. Enfin, il y a de toute façon, mais toute l'Amérique latine. Mais ils parlent pas français, mince. Non, mais ils chantent en espagnol, les paroles en français, quoi. C'est ça. Comme nous, on faisait quand on avait les disques des Beatles. Exactement, ou des Stones. Ouais. Ils se mettent à découvrir le rock. Et les gens nous ont dit là-bas, la maison disque, ouais, maintenant, on va peut-être pouvoir vendre du U2 grâce à vous parce que vous avez ouvert la porte. Merci. Bon, merci.